Salut tout le monde, c'est Tosmac pour une nouvelle vidéo concernant les glitches à la tour. Je vais vous en montrer que deux, parce que je n'en connais que deux qui se situent à la tour. Ce glitch-là, il permet de monter au-dessus des coffres qui servent à stocker les équipements. Il m'a été montré par mon ami Dark Fox. Pour y aller, il suffit de monter sur les caisses. Une fois que vous montez sur les caisses, vous sautez sur les poutres. Et une fois que vous sautez sur les poutres, vous n'arrêtez pas d'appuyer sur le bouton pour sauter. Comme ceci, voilà, vous flottez dans l'air. Il ne faut jamais s'arrêter d'appuyer sur croix pour sauter, pour ceux qui sont sur PlayStation. Sinon, si vous lâchez le bouton pour sauter, vous tombez évidemment. Donc voilà, ce petit glitch sympa qui sert juste à épater la galerie, hein, en attendant que vos amis s'équipent pour le raid ou pour Je suppose que vous ne des parlez pas de la assauts, un mémoire truc de la comme Rose ça. d'Or. Donc là, il y a des petits pigeons, mais ils ne bougent pas, je ne sais pas, non, c'est pas des pigeons, je sais pas ce que c'est, voilà. Je mets leur tête dans mon cul, c'est le cas de le dire. Donc voilà pour le petit glitch sympa. Pour le deuxième glitch, il se situe dans le hangar à vaisseau. Donc vous allez dans le hangar, et ce glitch-là, il sert juste à descendre en bas, là. Tout le monde a déjà essayé d'essayer de descendre, et ben en fait, on peut vraiment. Juste pour voir les vaisseaux un peu plus près, parce qu'il y a des murs invisibles une fois arrivé en bas. Donc la technique, c'est monter sur le petit bureau et monter sur le petit panneau, le petit tableau, pardon. Une fois sur le tableau, il faut sauter en diagonale par-dessus la grille là-haut, et voilà, vous laissez tomber. Vous arrivez en bas, tranquillos. On peut pas aller plus loin en fait, il y a un mur invisible, donc on peut pas aller contre le vaisseau ni sur le vaisseau. Mais bon, pour prendre des petits screens, c'est sympa. Pour passer des fois des murs invisibles, il suffit de courir et de sauter, de plonger plutôt. Et vous traversez les murs invisibles facilement. Donc là, ça passe pas. Un petit saut, enfin une petite glissade, voilà, ça passe nickel. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà, pour les vues, les petites vues panoramiques, sympa. C'est inutile, mais bon, c'est toujours marrant à voir, quoi. Par contre. Une fois que vous descendez, je n'ai pas trouvé de solution pour remonter, si vous descendez, c'est pour de bon, quoi. Portez-y à ça. Et puis bah voilà pour la petite astuce, quoi. Donc voilà, bon bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime aussi, ce serait sympa si un petit j'aime. Et puis voilà quoi. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, glitch, astuces, tout le tralala, comme d'habitude. Allez, ciao tout le monde!